et tous, on se retrouve pour le dernier message, s'autoriser à être soi, de cette semaine. Nous sommes vendredi 6 octobre 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Avant de commencer, univers infini, ma vie n'est que réussite et succès à tous les niveaux, amour, santé, finances et juridique, dans un délai le plus bref ici-bas. Et maintenant, que cela soit ainsi, toujours voir le verre à moitié plein. Eh bien, aujourd'hui, j'ai pigé face au conflit relativise. C'est une carte avec la couleur verte, et la couleur verte, c'est le chakra du cœur. Ce chakra, eh bien, il est relatif à l'amour, à un amour véritable, hein, à l'acceptation de soi et à l'amour des autres. Maintenant, si ce chakra est obstrué, eh bien, pour certains d'entre vous, vous vous acceptez difficilement. Vous vous sentez mal aimé. Vous vous sentez rejeté. Ou vous avez peur d'aimer et d'être aimé. Vous masquez votre manque d'ouverture à l'amour derrière une froideur, derrière un masque qui vous éloigne de vous-même et des autres, et vous reflétez ce que vous êtes à l'intérieur de vous, n'est-ce pas? Dépendant pourtant de l'amour des autres, paranoïaque, indécis dans l'attachement des personnes et des choses, vous avez peur d'être rejeté. Et l'indifférence, eh bien, cela vous foudroie. Quelle est la solution? Bien, rayonner l'amour en toutes circonstances, n'est-ce pas? En le faisant naître de l'intérieur, sans attendre qu'il ne vienne de l'extérieur. Prendre soin de soi en premier lieu, pour déborder d'amour et d'énergie pour les autres. Face au conflit, relativise. Pour certains d'entre vous, eh bien, il peut arriver d'avoir affaire à des interlocuteurs agressifs. Tu prends alors à cœur leur grief, te sentant accablé, et tu peux tomber dans la spirale de l'incompréhension et peut-être même du ressentiment. Mets-toi un instant dans la tête de l'autre pour deviner son mal-être. Les fois où on te parle mal sans que tu ne te sentes fautif, ou on te fait du tort, ou ton interlocuteur te tient tête, est agressif ou juste odieux. Ne le prends pas personnellement et aie le réflexe de deviner en priorité l'origine du trouble de ton agresseur. Ça t'évitera ainsi des présuppositions malheureuses. Tu désamorceras un conflit en ne répondant pas à l'agressivité par l'agressivité, puisque ce mal-être qu'on te renvoie appartient à l'autre, il ne t'appartient pas. Par voie de conséquence, eh bien, le calme qui s'inscrira en toi intérieurement rejaillira, pardon, sur ton rapport à lui. Qui est en paix avec soi et en paix avec les autres, qui ne l'est pas et facilement en guerre, ne l'oublie pas. Donc si tu es en paix avec toi-même, eh bien, tu ne vas pas répliquer sur les choses que ton agresseur te dit. Et probablement qu'il est dans un mal-être profond, mais vraiment profond, parce qu'il y a, une façon de dire les choses, n'est-ce pas? Il faut relativiser. Maintenant, un chakra qui est harmonieux, eh bien, c'est le cœur qui est ouvert et vous n'avez pas peur d'aimer. Rien ne peut résister aux vibrations de l'amour, véritable rempart
contre la tristesse, la colère ou la maladie. Les sentiments sont dénués de conflits et seuls le détachement, la sagesse, la compassion, la joie de vivre et la sincérité règnent. Règne en maître. Purifié et ouvert, eh bien, ce chakra du cœur nous fait accéder à l'amour inconditionnel, un amour que l'on ne peut ni posséder ni perdre, puisqu'il est inconditionnel. Ça veut dire que vous n'êtes plus dans une demande ni dans une attente. Prendre du recul par rapport à ça, travailler sur ça, pour essayer de réharmoniser ce chakra, le remettre dans sa ligne. Waouh, quel beau message encore une fois, n'est-ce pas? C'est un beau travail hein, avec cet oracle que nous pouvons effectuer sur nous-mêmes. Je termine par la petite carte pour ne plus avoir peur. Je sais que tout ce qui m'arrive dépend de moi, le bon comme le mauvais, le bien comme le mal. Certes, nous ne sommes pas omnipotents et rien ne dépend entièrement de nous, mais rien ne dépend entièrement des autres non plus. Mieux vaut donc réfléchir à ce sur quoi nous pouvons agir. Je vous souhaite une toute belle journée. Je vous souhaite un excellent week-end dans l'amour inconditionnel. On se retrouve dans une prochaine capsule. Et d'ici là, eh bien, prenez soin de vous en douceur, de ceux que vous aimez, de ceux qui vous entourent. Et moi, je vous embrasse et je vous dis à très vite.